Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur la route des vacances. J'en ai profité pour sortir la canne à mouche. Et puis j'ai regardé un petit peu sur Google Maps si je pouvais trouver un spot sympa. Et écoutez, je pense que c'est pas mal. Voilà, on est à proximité de Lyon, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Je vous redonnerai le lien du spot en description. Ça a l'air d'être assez rigolo. Il est assez tôt, donc pour l'instant je vois pas très bien. Donc on va éviter de s'avancer trop dans l'eau, parce qu'apparemment il y a quand même pas mal de jus, pas mal de courant. Mais on va quand même faire quelques lancers et puis essayer de voir si on peut trouver quelques truites, quelques ombres. Allez, c'est parti. Dommage, il était dessus. Hein. Et là, j'ai peur que de vouloir traverser ici, ce serait se mettre en danger. On va voir si on peut traverser un peu plus bas. Sur la queue de courant, il y a l'air d'avoir un peu moins de jus. On va aller voir ça gentiment, tiens. C'est parti. Petit chevenne, du chub, c'est des alevins de chub qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça qui monte sur les mouches. Alors maintenant qu'on a identifié le poisson, on va remonter un peu plus parce que, et surtout un peu plus vite, parce que c'était pas ce que j'étais venu chercher. J'étais venu chercher de la petite truite de lin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit chevenne. On s'en doutait un peu. Du petit cheucheux. Voilà ce qui nous pique depuis tout à l'heure, là, les petits chevennes. Le petit lever de soleil derrière, tranquille. Les pieds dans l'eau. Petite session terminée, on a touché un tout petit poisson. C'est triste, c'est maigre, mais en tout cas, on a passé un bon moment. J'espère, vous aussi, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, n'hésitez pas à venir pêcher sur cette belle rivière. Et s'il y a des gens du coin, n'hésitez pas à échanger avec moi sur cette page, ça me fera toujours plaisir. Vous avez certainement des petites astuces, des petits secrets à partager. Voilà, je vous remercie beaucoup. En tout cas, je vous remercie une fois de plus de soutenir cette petite chaîne. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.